Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo présentation de mes livres de coloriage et réalisation dans les livres Disney. Donc en fait, moi j'ai pas beaucoup de Disney, vous le savez, j'en colorie assez peu, hormis les vitraux. Chez Hachette Hero, c'est la seule chose que j'achète. Sinon, j'achète aussi, enfin, j'ai aussi le petit art déco. Petit carré, et on va en parler, mais je sais pas s'il va rester dans ma collection, si vous le reverrez l'an prochain, on verra. Et j'ai le Thomas Kinkade, donc cette fois-ci pas de chez Hachette. Et enfin, j'ai le Sweet Memories de la Biche Créative. Voilà, c'est tout ce que j'ai en livre Disney, ça s'arrête là. Donc on va commencer par le petit carré Art Déco. Donc ce carré Art Déco, je l'ai acheté assez rapidement, je l'ai trouvé dans ma grande surface, je l'ai acheté sur un coup de tête et j'en étais très contente. Ça m'a permis quand même de participer à pas mal de défis, de m'entraîner, enfin voilà, Bon, celui-là est très moche. C'est le dernier que j'ai fait, donc c'est le seul que vous n'avez jamais vu, puisque si vous me suivez depuis l'an dernier, vous avez déjà vu tous les autres, je pense. C'est le seul colo que j'ai fait récemment dedans. Voilà. Donc j'ai colorié dedans, sans prise de tête. Il y a des colos dont je suis assez contente, comme celui-ci. Et puis il y en a d'autres que je déteste, comme lui. Enfin, vous voyez, c'est vraiment. C'est pas de prise de tête dans ce livre, mais je vous avoue que je ne sais pas si je vais le garder ou non, parce que bah, j'y vais tellement jamais. Que c'est dommage d'avoir un truc qui traîne où je me dis il faudrait que j'y aille et puis j'y vais jamais. Enfin voilà, donc je vous montre quand même ce que j'ai fait. C'est des colos qui sont assez vieux. Il y en a que j'aime beaucoup. Ça, j'aime bien. Vous voyez, les princesses là, je les aime beaucoup aussi. Faudrait que je me motive, que je les fasse. Mais voilà, je sais pas. Disney, c'est plus trop mon truc. Et puis certains colos, je les trouve un peu chargés. Ils me plaisent moins. Par contre, j'aime beaucoup le format. Je crois que je préfère quand même les grands carrés. Il y a moins de colos à l'intérieur. Et comment dire, le fait qu'il soit que recto, j'aime bien. Celui-ci, j'aime bien. On le voit dans beaucoup, beaucoup de colos. Celle-ci, je l'aime mieux aussi. Non, je vais sûrement le garder, mais il faut vraiment que je trouve la motivation pour colorier à l'intérieur. Parce que je l'aime bien quand même. Et que voilà, que c'est des colos rapides. C'est juste que, en fait, il y a beaucoup de sorties très jolies. Mais à chaque fois, j'aime une minorité de colos. Et ça me dérange d'acheter un livre si j'en aime que 10 à l'intérieur, vous voyez. Celui-ci, Ah bah non, celui-là, vous l'avez jamais vu. Celui-là, je pense que c'est mon préféré dans le livre. Je l'ai bien réussi, je trouve. Il est pas mal. C'est le col de la couverture. Je l'ai fait l'an dernier. En septembre, je crois, ou octobre, par là. Et voilà. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup. Celui-là, j'avais fait pour un défi. Vous voyez, c'est pratique. On va dans ce type de livre. C'est pas prise de tête. Voilà. Celui-ci, c'est un des premiers que j'avais fait, je l'aime bien aussi. Hop. Ceux-là, j'aime bien. C'était des défis Facebook. D'ailleurs, je fais plus les défis Facebook. C'était pas mal. Ça m'obligeait justement à aller dans certains livres. Voilà. Donc, à l'intérieur, j'en étais quand même pas mal du coup, hein, si on compte. Je sais pas, je pense qu'il y a une petite vingtaine de colos, mais comme il y en a 100, forcément, ça n'a pas l'air. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est étonnant, dis donc, c'est les princesses qui sont plus avancées. On voit ce que j'aime. 7, hop, hop. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, non, que 15. Bon, la fille, elles sont emballées. Donc il y en a 15, mais 15, c'est 15 colos quand même à l'intérieur. Bon, je pense que je vais le garder parce que c'est vrai que pour les défis, ça sert. Par exemple, il y a le défi d'Élise Colo. Parfois, elle fait des trucs Disney et tout. Ça peut marcher. Enfin, je sais pas encore. On va voir. On va réfléchir. Mais celui-ci, voilà, c'est pas dit que vous le revoyez l'année prochaine. À réfléchir, à méditer. Je vais me laisser encore 6 mois. Vous voyez, je me laisse souvent 6 mois quand il y a quelque chose qui me plaît plus. Donc c'est-à-dire qu'en fait, un an en tout entre le moment où j'ai colorié la dernière fois et le moment où vraiment je me décide à m'en débarrasser. Donc j'attends encore un petit peu et puis après, bah, je prendrai la décision pour ce livre. Donc j'ai peu colorié dedans cette année, mais il me déplaît pas. Disons qu'en fait, j'avais pour projet de m'acheter des grands carrés. Donc parmi ceux qui me plaisent le plus, il y a le Love Stories. Je crois que j'aime bien le Frères et Sœurs aussi. Le C'est la Fête était pas mal, enfin, de mon point de vue. Bref, il y en avait plusieurs que j'aimais bien, mais comme j'aime pas tous les colos, je m'étais dit, bah, je les couperais à la rigueur et je les mettrais dans un espèce de porte-vue. Enfin, pas de porte-vue, mais vous savez, mes anneaux champignons. Et puis, bah, ça me fera un livre, vraiment. Je sais pas si je vais le faire ou pas. Voilà, c'est un projet, on va dire. Ensuite, donc, comme vous le savez, parce que je colorie souvent dedans, je vais vous dézoomer. Oups là, vous allez voir tout mon bazar autour de moi. Donc, je colorie aussi beaucoup, par contre, dans mon vitraux. Je l'ai pas mal avancé. Je sais pas, je crois que j'en suis à une trentaine. Bon, vu que j'exagère toujours un peu, peut-être une vingtaine de colos à l'intérieur. Donc, il a pas mal avancé. Hop, hop, hop.
Donc j'avais fait celui-là, ça c'était mon speed coloring des Hirogiten. Je l'aime bien, il est un peu pastel, enfin voilà, je l'aime bien ce colo. Hop, ça c'est des vieux colos, 2, 3, 4, ça c'est un duo avec Maeva. 5, ça c'est un vieux colo aussi. 6, ça c'est mon tout premier vitro, ça c'est mon prochain. 7, 8, 9, 10, celui-ci c'est un de mes colos les plus likés sur Insta. Et l'autre, il est dessus aussi. 11, 12. Non, on joue déjà, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, oui, c'est ça. Ça, c'est des jeux. Hein. 12, celui-ci, je l'aimais beaucoup. Je le trouvais assez coloré et tout, enfin, bien peps. 13, ça c'est mon dernier en date. Bon, il est pas si mal, hein. Je l'aimais pas quand je voulais montrer là dans ma vidéo colo terminé. Pourquoi est-ce qu'il y a une partie qui est tout. Ah, je sais. Parce que quand je suis pas à 100%, vous savez, quand je suis pas vraiment pile poil, il y a des zones un peu floues. C'est pour ça que vous voyez Navine floue. C'est pour ça que peut-être que vous avez vu d'autres parties de mes autres colos floues. Voilà, en montant la perche, c'est parfait. Donc voilà, donc ça c'était le dernier. Bon, je l'aimais pas trop en l'ayant fini, mais là en feuilletant le livre, vous voyez, ça me gêne plus. Celui-ci, j'avais fait il y a très longtemps avec ma copine Colorisac. Et j'ai arrêté de compter. Je recommence. Ça n'en finira jamais. 13, 14. Ensuite. 15. Celui-ci, je pense que vous ne l'aviez pas vu. Je l'ai fait l'an dernier au moment de l'été, justement. Et je l'aime bien. 16, 17. Ça, c'est une double page que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elles matchent assez ensemble. Déjà parce que ils ont mis le même Disney... en face, je trouve que c'est logique en fait. Celui-ci, c'était mon test des luminances. Je le trouve chouette, très peps. Mais ça vous montre à quel point ils sont éclatants les luminances, notamment dans les rouges. Et celui-ci, c'était mon colo pour le coloraton. Et c'est mon colo le plus liké à ce jour sur Insta. Je crois qu'il a dépassé, enfin, je suis sûre même qu'il a dépassé les 1000 likes. C'est énormissime. Et c'est vrai que j'en suis assez fière. Je l'aime beaucoup. Outre le fait que ce soit parce que... On l'a fait dans un moment super sympa du coloraton. En fait, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai changé un peu ma façon de faire. Alors bon, déjà, il y a ces choses-là qui sont pas comme je fais d'habitude. Mais vous voyez, j'ai beaucoup plus ombré au noir. Enfin, voilà, je me suis plus... j'ai essayé des choses, on va dire. Donc, c'était 17, je crois. 18, 19. Hop. 20. Celui-ci, je l'aime énormément aussi. C'est mon test des polychromos. Ça faisait longtemps que j'avais pu utiliser les polys sans les autres crayons. Et je me suis rendu compte que vraiment, je les adorais. Je t'avais 20. Je ne sais plus. Bon, on va dire que oui. 19. 20, oui, c'est ça. 21. Ça, c'est un des derniers aussi. Et je l'aime bien. 22 avec Cicolore, celui-là. L'autre, c'était avec Maggie. Celui avec la princesse à grenouille. Donc 22, 23. 24, 25. J'aime beaucoup ces deux-là aussi. Enfin, je trouve que ça match assez bien. 27, 28, je sais plus, 29, 30, je sais plus si j'en suis là ou pas. Donc ça, c'était des colos que j'avais déjà fait il y a longtemps. Toute cette partie du livre, il faudrait vraiment que je fasse ça là. Je voulais me motiver pour que ce soit fini, en fait. Et après, il y a la papeterie que je vais pas faire. Donc celui-ci, vraiment, il avance hyper bien. Je me donne comme objectif de le finir un jour, ça c'est évident. Après, quand je sais pas, je mets pas la pression. Si c'est 2025, c'est 2026, ce sera par là, je m'en fiche. Mais voilà, je veux l'avancer, continuer à avancer comme ça. Prendre beaucoup plaisir à colorier dedans et puis continuer mes tests aussi. Donc voilà, on va voir si la fourmi, je la fais peut-être au Pablo. On verra si j'arrive à trouver le temps de filmer, la motivation, tout ça, tout ça. Ensuite, j'ai aussi le vitro 2, dans lequel je vais beaucoup moins. Mais je l'aime un peu moins, mais je l'aime bien quand même. Franchement, je l'aime bien, ce livre. Alors, 2 ans, j'en ai fait 3, je crois. Dont 2 que j'avais déjà fait. Celui-ci, je l'avais déjà fait la dernière fois que je vous ai montré. Là, vous avez encore... Il y a encore mes notes sur les collines, il y a encore le nuance, premier nuancier que j'avais fait des collines, quand ils n'étaient pas encore classés, vous voyez, ils arrivent comme ça. Il faut les reclasser derrière, quoi. Mais ils étaient top, ces crayons. Donc ça, c'est mon test colline que j'aime beaucoup. Donc j'en suis à 3 dans ce livre. 4, celui-ci, je l'avais fait avec Mademoiselle Lexi, qui colorie comme une... Enfin, voilà. C'est magnifique ce qu'elle fait. Et j'en avais pas fait un autre? Si, j'en ai fait un autre. Oui, j'avais fait mon test, c'est Light Fast. Ici, voilà. Il est sympa aussi, je l'aime bien. J'en suis contente de ce colo aussi.
Voilà, donc pour le vitraux 2, j'en ai fait que 4 à l'intérieur. L'objectif, pour le coup, c'est pas du tout de l'avancer. Je peux pas avancer les deux, c'est pas possible. Celui-ci, j'y vais de temps en temps quand j'ai envie. Il y a des colos peut-être plus simples, en fait, pour mes tests. Plus rapides, vous voyez. Ils sont moins détaillés. Celui-ci, je pense que je le ferai pour un test. un mot que l'une d'entre vous m'a envoyé avec un petit colis. Donc voilà, bref. Donc oui, je ferai des colos là-dedans pour des tests, je pense. Mais je vous avais déjà dit mon ressenti sur ce livre, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de doublons quand même, il y a des choses qu'on retrouve vraiment à l'identique par rapport au... Bref, enfin voilà, j'aime beaucoup ce livre, mais je l'aime moins que le Vitro 1, et puis comme j'ai beaucoup avancé le Vitro 1, je voudrais continuer à l'avancer, tout simplement. Voilà, donc ça c'était pour les livres Hachette Heroes. Vous voyez, j'en ai pas beaucoup. Je trouve qu'Hachette Heroes, franchement, il se... Ça m'agace en fait, parce que... On va le redire toujours la même chose, mais c'est toujours les mêmes images de la base de données desquelles ils se servent. Ils sortent trop de livres, donc on n'arrive pas à suivre les sorties, on ne peut pas tout acheter, on n'est pas des vaches à lait. Enfin, voilà, il y a des choses qui me dérangent quand même dans leur façon de procéder, dans leur marketing et tout. Et c'est vrai que du coup, ça ne me donne plus envie d'acheter chez eux. Même si vraiment, il y a des personnes qui colorient du Disney merveilleusement bien. Alors, il y a Colorelle notamment, Lisly Colo, enfin voilà. Il y a vraiment des gens qui sont doués, Mademoiselle Lexie, hein, qui sont doués avec le Disney. Et ça donne envie de faire pareil. Mais voilà, Hachette Heroes, il me déçoit un peu. Voilà. Donc, sur ce, j'ai aussi donc, le Kincaid qui n'a pas avancé hein, depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Donc, si, peut-être, celui-là, vous l'aviez peut-être pas vu. Voilà, je l'ai fait avec ma copine Marie Colorizac. J'ai tenté l'acrylique, ça m'a pas plu du tout. Donc je sais pas si je me relancerai de sitôt. Mais voilà, il est fait. Et bon, bah, c'est toujours un challenge sympa hein, de faire un Kincaid. Je sais que Caro Coucolor, Panoramix, et puis je sais plus qui fait avec elle. En font un tous les mois. Ça, je trouve ça super chouette comme défi, mais j'ai pas le temps, j'ai pas envie, quoi. Voilà, celui-là, c'était mon premier. Bon, il est pas horrible, hein. C'est sûr qu'il n'est pas. Il n'est pas beau, hein, mais il n'est pas horrible non plus. J'avais fait celui-ci aussi. En fait, je fais toujours les colos que j'aime le moins en premier. C'est toujours comme ça que je procède dans tous mes livres. Et là, je pense que le prochain que je vais faire, soit je tente l'espèce de fond là, marin où il n'y a rien, vous savez. Donc lui, pourquoi pas. Il faudrait que je le fasse parce que c'est les nains et j'aime pas les nains. Alors, rien contre les nains de façon générale. Hein. Les gens atteints de nanisme ne me dérangent pas. C'est les nains dans Blanche-Neige, hein, je précise. Parce que sinon, ça se fait pas. Voilà, celui-ci, vous voyez, il est super mal coupé, il est trop bizarre, mais je pense que je vais le faire, ça m'entraînera un peu pour faire de l'eau et tout, le ciel comme ça. Donc je pense que celui-là, je vais le faire. Hop, 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 et c'était, il y avait un autre colo des nains aussi, qui ne connaissait pas trop au début. Alors, lui, franchement, vous voyez, ça, c'est n'importe quoi. La façon dont ils ont redessiné les traits, je l'avais déjà dit, mais c'est hyper décevant. Je le répète un peu pour celles qui me rejoignent et qui n'avaient pas entendu cet avis-là. Hop, 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 attendez, ah voilà, ils sont là. Les trains dans la mine. Les trains dans la mine. Oui, les trains dans la mine, mais aussi les nains dans la mine. Celui-là, je pense que je vais le faire. Je vais le faire. Voilà, prochainement. En fait, vous voyez, il y a le calendrier Thomas Kincaid. Enfin, je sais pas si c'est le calendrier ou je sais plus comment. Celui qui est en énorme format, il y a la toile complète. Et c'est vrai que je trouve ça plus joli que ces bouts qui sont mal coupés. Vous voyez, parce que celui-là, en fait, c'est la coupure de l'autre. Mais pas tout à fait au même endroit, je peux pas couper pour les mettre côte à côte, vous voyez. Donc je sais pas, est-ce que j'achèterai pas le très grand format et je ferai le très grand format et puis voilà, ça j'hésite un peu. Je vous avoue que j'hésite. Parce que j'aime bien ce livre et je trouve que ça challenge, ça permet de s'entraîner. Mais en même temps, quand on se lance là-dedans, on sait qu'on a pour une semaine, voire deux pour être à l'intérieur. Moi ça me fatigue un petit peu. Trop de combos à trouver, enfin c'est un peu pénible. Et enfin, donc mon dernier livre Disney, hop hop hop, il s'agit du Sweet Memories de la Biche Créative. Il est plus dispo, il me semble. Je l'ai acheté sur Amazon. Donc vous avez 20 colos comme ça, et puis vous avez les mêmes avec le cadre. Voilà, vous avez deux versions. Moi je préfère ceux-là, personnellement, les plus gros. Et comme c'est du papier Amazon, j'ai fait le choix de ne pas colorier à l'intérieur du livre, mais d'imprimer les illustrations. Donc je les ai toutes imprimées. Et je les colorie au fur et à mesure. Et une fois qu'elles sont coloriées, je les plastifie et je les mets dans mon petit porte-vue. Voilà, donc à l'intérieur, il y avait déjà tous mes colos de Tadiabond. Même principe, c'était un livre avec du papier Amazon que j'aimais pas. Donc voilà, j'ai fait pareil. Donc c'était le Tadiabond, mais je crois que vous l'aviez pas vu fini. Donc je vous remontrerai dans la vidéo des autres illustrateurs, on va dire.
Voilà, donc ici, j'ai coloris Kida, c'était la première que j'ai fait. En fait, toutes, je le fais de la même façon, à savoir un fond au gesso tout simple. Et bah, je colorie l'illustration à partir de feutre alcool et puis ensuite j'ombre, tout simplement, avec du crayon de couleur. Ça, c'est Pousselina, je la connaissais pas, donc voilà, je l'ai découverte avec vous. Hein. Hop, Ariel, Jane, je suis trop contente de retrouver Jane dans ce livre, puisqu'on la voit nulle part. Jasmine, la bergère, Anastasia, donc ça c'est un indie puisque je l'ai fait là cet été. Gisèle, dans Il était une fois, pareil, c'est un inédit. Ça, c'est Lila Tigresse, qui vous a beaucoup plu sur Insta. Enfin, pas en termes de likes, mais elle a été beaucoup repartagée, alors que généralement, on ne partage pas mes colos. Ça, c'est Réponse. Vraiment, j'en suis pas contente de celui-là. J'aime pas le fond au gesso, ce que ça a rendu. C'est le problème du brochot. C'est toujours un fond au brochot, pardon. Et donc, le problème du brochot, c'est qu'on ne sait jamais ce que ça va rendre. Et là, en fait, ça rendait pas bien, mais je l'ai quand même, j'ai quand même collé. J'aurais dû en refaire un. Ça, c'est Bou, que j'aime bien. Et vous avez Belle aussi. Voilà, je n'en ai pas un autre. Non, non, non. C'était tout. Voilà. Donc, j'en suis à 10 colos, si je ne me trompe pas. 10 ou 12, je ne sais plus. Mais j'avais pour objectif de finir le livre, c'est quand même en bonne voie. Donc, il me reste. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà, c'est bien ça. Donc, plus que 8. Plus que 8, je vous les montre, ceux qui me restent, donc c'est ceux qui vont rapidement être coloriés, je pense. Donc le Mulan, je pense que ça va être la prochaine, avec Anna. Ensuite il y aura, alors je sais pas comment elle s'appelle, elle est dans Eldorado, la route de l'Eldorado je crois, ça c'est Raya. Emily dans Les Noces Funèbres, Sally dans L'Étrange Noël de Monsieur Jack, Esmeralda, c'est ma préférée, avec Megara. Voilà, ces deux là je les adore, je trouve trop belles. Donc voilà, celle-ci, ce sera bah, pour les prochains mois. Et normalement, si j'arrive à en faire deux par mois, comme j'ai fait là les deux derniers mois en octobre, c'est fini ce livre et ce sera très bien. Voilà, donc ça c'était pour le Sweet Memories. Et puis bah, ça s'arrête là pour mes Disney puisque je n'ai que ça. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de mes colos. Et sur ce, bah, écoutez, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Salut !